un suivi. Ouais, mais ça vient de venir. Sur la notre achat. J'ai pensé le fond, je suis gaffe de pas être pas sur les cliquets. Et rester bien derrière. Thank you.
ça va être cool. Avec les tics. Mais vous les ramenez, vous choisissez juste comment. Et avec quelques AOE au passage pour les des pièges et tout comme ça pour les ralentir. C'est bien parce que oui, c'est pas sur moi qui crache. Ne vous approchez pas. Restez bien à distance. Comme ça on sera pas emmerdé. Voilà, c'est bon. Non, vous avez un gros latin à pierre. On va descendre. On va essayer de jouer. Ah punaise, vous êtes trop près de la... Non, c'est pas bon ça. Elle fait chier ce marron aussi. Tant pis. Oui, j'ai pas d'agro sur la... l'araignée. Vous avez comme une problème de la... avec ses... C'est pour ça qu'il faut éviter au maximum de prendre les... de changer d'un coup. Bon, la question que je me pose par rapport à chaque fois, c'est... Alors, je prends la mer, faites attention, c'est le crachat. Ça va être sur le dernier boss. Est-ce qu'on va le finir? Comme j'ai prévu. T'as joué une crache vers où la maladie? Vers... Est-ce que je vais finir seul avec Arthur ou est-ce que vous allez résister jusqu'à la fin? Le couillant parce que je peux pas, j'ai pas l'agro dessus. Ne vous approchez pas du boss, c'est tout ce que je demande.
faites en priorité le flagellant. Et ensuite, vous esquivez le verre. Sur le maximum de tics, s'il vous plaît. Et t'as plus loin. Sur la charge. Derrière le bois.
qu'en gros, s'il y a 10 mobs en plus, il faudra tuer 10 mobs en plus pour avoir le pourcentage. Ils comptent tous. Il faut se mettre au plus proche des champignons sans être dessus parce que tu prends des dégâts pour que au moment où tu as là-haut qui pète tu détruises les champignons qui sont autour de toi. Ok. Voilà. Ah, le totem s'il vous plaît. Donc après moi, en train de passer dedans, je balade. Ah, il y a ça. Le chasseur qui prend cette caractère, il est fait. Oui, oui, dans le chasseur aussi.
prendre la base. Allez, on va essayer de le passer propre. Faites attention. Sur moi, quand vous avez là-haut, vous restez pour nettoyer autour de et enlever la corruption sur tout le monde. Après, je mettrai une tête de mort sur des arbres défoncés. Et puis c'est bon. Allez, prêt, 3, 2, 1. Allez, on continue sur le boss. Tout le monde est sur moi, même les distants au crack. Et je vais faire du bot. Plus on est paqué, moins il y aura de merde. On reste tout le monde devant le boss, personne derrière, ça sert à rien. Voilà, et la lumière qui reste sur le monde. Attention. On recule, vite, vite. J'espère vous les défoncer avec le sort à distance si vous pouvez pour éviter que vous passez trop près. Voilà, c'est le pur de sang. Qui arrive. Bouge plus, bouge plus, bouge plus.
Alors, le but étant d'essayer de défoncer les spores quand elles sont sur des flaques. Oui, t'es dans le foutrailleur. Bouge pas, on vient sur toi. Parce que au final, ce boss c'est que du timing. On lui fait des dégâts, mais la plupart des trucs sont, sont timés. Envoyer à distance des sorts sur la file de sang. Pas trop avec la zone. Reste pas dans les zones, par contre. Hop, on file. Hop, dans une zone safe. Voilà. Ok. Figure de sang juste derrière. Ouais, je vais plus rien faire. Ok, t'inquiète. Je pense que tu commences à voir la bécane un peu surchargée là. Parce qu'il y en a de la merde. C'est bon. Il est mort. Ça fait plus un. Ouais, plus un.